Soldats, nous avons une mission. S'occuper du cadet de garde et faire la poussière pour que le manoir soit présentable. J'ai fait deux missions. Silence dans les rangs. Comme vous vous en doutez, j'ai désormais une nièce. Et il est important qu'elle ne soit pas en danger. Y compris de moi-même. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Marion. Pour une fois que je renoue des liens avec un membre de ma famille qui ne me rejette pas. Et c'est très cool comme ça. On t'envie, Abby. Bon, où est le cadavre de la poupée? Juste à la poubelle. Et moi, j'ai nettoyé le sang. Mais la huile-pâte, c'était chiant. Parfait, parfait. Tant qu'il reste en morceaux, on ne risque rien. Par contre, Ricky, tu gardes le sabre le temps. J'ai absolument pas envie qu'il me replante à nouveau. Entendu, Abby. Mon père, avez-vous entendu? Oui, et c'est intéressant. Tâchons de retrouver cette poupée de sang. Mais mon père, que diront les gens de la commune s'ils vous voyaient dévaliser leurs poubelles? Ah écoutez mon fils, je leur dirai tout un tas de choses. D'accord, mais mon père. Bon écoute, tu commences un petit peu à me les briser toi. On va rester combien de temps suspendu là? Je dois vite alerter le maire de ce qui se passe. Oui, cette pollution est critique. Je parle des chances de Terrace Abimagale. Si cette poupée a réussi, alors elle est notre homme. On sera récompensé au moins. Non, mais vous pouvez toujours demander. Oh ça va, je plaisante, alors voyons. L'important est que la maison soit propre. Ah, j'ai ses vitres à changer. Ah, misère. Et pourquoi ce serait si compliqué? Oui, tu n'as qu'à en acheter des nouveaux. Et avec quel argent? Ta fortune. Comment avez-vous osé? Peut-être. Alors, ça devrait commencer à bien, non, voyons. Bien sûr, on n'y a pas touché. Par contre, faut que quelqu'un y achète une vitre. Et sachant que nous, on ne peut pas sortir parce qu'on est des réfugiés politiques. C'est ça, hein? Tout à fait. Oh. Bon, j'irai prendre une vitre cette nuit. Ça devrait bien se passer. Bon, où est-ce qu'on trouve une boutique de vitres dans le coin? Rien ici. Rien là non plus. J'ai vu trop grand. Allons ailleurs. De suite. Compliqué, compliqué. Bon, bah j'ai qu'à en piquer une. Bon sang! À croire qu'il s'est volatilisé. Oh, regardez mon père! Il est là! Qu'est-ce qu'ils font ce tour-ci? Je suis sûr ils vont faire des choses dégueulasses. Mais comme une curiosité morbide, je vais regarder. Voilà. Comment vous sentez-vous, monsieur? Très bien. Et appelez-moi Edgar de Montagne, s'il vous plaît.